Message pour vous qui me regardez. Nous allons voir aujourd'hui comment se déroulent les choses dans votre vie et aussi pour les jours à venir, étant donné qu'on va rentrer bientôt dans des énergies de pleine lune, début mars. Et dans ces cas-là, je commence tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance, j'espère que vous allez bien. Alors, le message qui va commencer cette canalisation de ce matin, pour tous ceux qui me regardent, les nouveaux comme les anciens, vous qui tombez sur ma chaîne, on vous dit le chakra couronne. Alors, le chakra couronne de la Terre-Mère se trouve au mont Shasta, en Californie. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Votre chakra couronne s'ouvre enfin afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Telos. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, on est là-dessus aujourd'hui. Je vais prendre le Dixit et on va faire un petit tour d'horizon. C'est vrai que ça brasse pas mal en ce moment. Ça bouge énormément. Il y a toujours, tous les jours, il y a une surprise. Je voulais vous dire aussi les messages canalisés des guides. Donc, ce sont des messages d'être subtils et dans l'invisible qui sont autour de nous, qui peuvent faire partie aussi de nos aïeux, hein, des êtres de lumière qui nous envoient des messages de diverses façons. Soit on les ressent, soit on les voit, soit on les entend, soit on les voit, on les entend, on les ressent. Et on peut avoir donc des mots, des clés, des couleurs et effectivement il y a des traits d'union entre ce que l'on perçoit et on a un message, pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, mais en tout cas c'est pour nous faire avancer, c'est pour nous faire évoluer, nous faire cheminer, nous faire ascensionner. Alors on voit effectivement, je venais de le dire, que ça travaille beaucoup en ce moment, vous devez le ressentir. Il n'y a pas toujours des choses très bonnes qui tombent. Il peut y avoir aussi quelques foudres karmiques, hein, quelques blocages aussi ressentis. Je suis en canalisation, donc je peux vous dire. On a envie de sortir de tout ce sombre et pouvoir atteindre en fait cette liberté. Continuer à monter les barreaux de cette échelle une par une. Donc l'échelle, c'est toutes les étapes qu'on a commencées depuis le début d'un cheminement et d'un parcours d'éveil. Je continue. Je continue. Et pouvoir se libérer de tout ce que l'on ne peut pas non plus exprimer par la voix. Donc, pouvoir l'exprimer autrement. Alors, soit par son métier, sa mission de vie, ses projets que l'on met en place. Ça peut être aussi dans le sport, ça peut être dans l'éducation des enfants, ça peut être en discussion avec des amis, des sorties. Voilà, tout ce qui nous prend la gorge, qui nous empêche, c'est comme une colère rentrée, une frustration, pouvoir l'exprimer. Incarner un couple dans la matière et pas que en rêve, donc pouvoir à nouveau être à deux.
que ce soit avec la personne que l'on pense ou lors d'une nouvelle rencontre. Pouvoir partager aussi avec quelqu'un. Hop, j'en ai une là qui s'est retournée. Deux. Hisser le drapeau blanc. Après avoir rangé tous les vieux dossiers, tout le passé, avoir mis de l'ordre dans sa vie, se remettre des pensées positives, on voit que effectivement il y a des idées qui peuvent jaillir, qui peuvent arriver, et on a plutôt l'impression en ce moment de nager un peu. Pour certains, ça parlera. Hein. Il y a toujours un message à prendre dans toutes les guidances hein, de YouTube. Sur chaque chaîne. Si vous tombez sur la mienne, c'est que ce n'est forcément pas un hasard. Sortir des eaux troubles, les émotions aussi qui nous submergent, qui submergent aussi. Très bien. Alors, j'avais mis une vidéo, je l'ai enlevée parce que c'était trop puzzle. Je recevais des messages par morceaux et j'avais du mal à faire le trait d'union entre chaque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous remets une vidéo. Je vous reposte une vidéo sur vous, les polarités féminines. Mais vous pouvez être aussi, évidemment, un masculin qui me regardait. Alors, on va creuser donc tout ce que je viens de dire. Et on va regarder... que vous êtes en train là d'expérimenter et de travailler. Et je vais regarder après la situation actuelle de votre autre en même temps, en miroir. Vous êtes en train de travailler, on vous fait travailler le couple, l'union sacrée. On vous fait travailler, si vous êtes en lien sacré, hein, en lien d'âme, on vous fait travailler en ce moment le duo. La personne en face, on lui fait travailler, doit ressentir du manque. En fait, il ressent du manque, mais il vous le dira peut-être pas. Hein. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous êtes peut-être en contact avec lui, mais il ne laisse rien paraître. Or, il y a du manque. En tout cas, c'est ce qu'on lui fait travailler. Alors, ce que je veux savoir, c'est, veut-il tout récupérer? Est-ce que cette personne veut tout récupérer? Avec vous. Ben, j'ai la réponse. Cette personne, pour l'instant, vous voyez, elle se cache. Elle est derrière le rideau. Et elle avance pas très vite hein, parce que le page de pentacle c'est pas le valise là, c'est pas quelqu'un qui avance très vite. Il est en plein apprentissage, je dirais, en pleine guérison aussi. Donc, qu'est-ce qui empêche la réunion? Je vais regarder. Qui empêche la réunion, c'est les liens énergétiques. Donc, là, en ce moment, il y a un nettoyage à faire. Il y a un nettoyage à faire des chakras. Ou au moins les réaligner, ou au moins se réaligner, se réancrer. Et essayer de... Bah de pas de passer à autre chose, mais de penser à autre chose et de se recentrer. Se recentrer. Regarde avec le tarot en même temps. Donc, qu'est-ce qui empêche la réunion avec la personne qui vous manque, qui vous pensez? Ce qui empêche la réunion, ben, c'est le nouveau départ. C'est de pouvoir se dire que l'on est libre
libre d'avancer, libre de prendre notre baluchon sur l'épaule, de prendre notre animal de compagnie et de commencer une nouvelle vie. C'est se mettre dans la tête qu'on est au commencement, au point zéro, au nouveau départ. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider? Qu'est-ce qui va vous aider, qui vous aidera? Je parle de moi aussi dedans, mais vous comprenez que quand je fais des tirages, évidemment, c'est aussi des canalisations, c'est aussi pour moi. Hein. Bien que ça ne représente pas forcément toujours mon histoire perso et ma vie. Regardez ce qui vibre en nous. Ce qui pourrait aider à l'avancement, ce serait vraiment un rapprochement. Ce serait un rapprochement entre vos deux âmes, entre vos deux cœurs. Provoquer un rapprochement ou tout du moins en avoir envie. Comprendre que ce rapprochement, ou alors faire en sorte, se dire que ce rapprochement est déjà là. C'est ça qui est en tout cas prévu. C'est un rapprochement. Manifester à l'univers, le voir dans la guidance intérieure, l'entendre, comme j'ai dit, alors c'est pas anodin si j'ai parlé des messages canalisés pour le coup, en début de guidance, parce que ben c'est ça, hein, c'est écouter notre voix intérieure, notre propre guidance, et comprendre les messages subtils de la source et du divin. Parce qu'il n'y a que comme ça que l'on peut se mettre des énergies positives dans la tête et pour notre vie, en fait, avoir cette impulsion d'avancer. Très bien. Alors, votre avenir avec lui ou avec elle. Oula. Votre avenir. Une mission divine en commun, donc quelque chose à faire ensemble dans la matière. Même si vous n'êtes pas ensemble, il y a quelque chose qui se prépare. Et la télépathie, donc les pensées très fortes, de plus en plus. Donc ça, c'est votre avenir avec cette personne. Beaucoup de pensées. Alors, si vous pensez à votre autre, dans un lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, dites-vous que cette personne pense aussi très fort à vous. Hein. Même si vous n'y croyez pas. Alors, un petit message du tarot. Et après, je vous délivrerai un dernier message pour vous. La tour. Donc, un effondrement total des bases d'avant pour construire sur des bases plus solides. Si on vous dit que si effectivement les pensées s'éloignent, la mission divine, vous n'êtes pas dans votre mission, vous n'êtes pas sur le chemin, ça ne vibre pas pour vous ce que vous devez faire dans la matière, il y a effectivement la tour. La tour, c'est un effondrement total de vos bases profondes pour en reconstruire des nouvelles, pour être votre nouveau moi, nouvelle moi. Nouvelle vous, nouveau vous. C'est pas la première fois que je dis ça dans les tirages. Effectivement. Alors, d'autres messages ? Hop là. On vous dit que vous avez un jardin secret, vous avez un jardin rempli
vous avez un chemin tracé, là, vous voyez bien, qui va vers l'abondance et qui va vers le bonheur. Ancrez-vous, on vous dit. Ancrez-vous de toutes les manières possibles. Faites des balades, ancrez-vous dans la terre, entourez les arbres, des exercices d'ancrage, des affirmations positives, se débarrasser des idées polluantes. L'ancrage. S'ancrer quelque part aussi, ouais. Il y a beaucoup d'émotions, hein. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Cette carte aussi peut vouloir me dire que vous avez des personnes autour de vous qui sont de la même famille d'âme que vous et qui peuvent vraiment, vraiment vous aider à vous ancrer justement, à vous faire revenir dans des schémas plus positifs, des idées plus positives pour vous. Je vais prendre pour finir. Hop, hop, hop. Une petite carte du tarot. Et on va voir la signification de cette carte pour aujourd'hui. Merci mes guides. Il y en a une qui est tombée. C'est celle-ci. On voit un groupe, donc un homme entre deux femmes qui s'élance, c'est lors d'une sortie apparemment de patins à glace, patinage artistique, non même pas, patinage, donc amusement, lors d'une sortie. Et il y a un homme qui s'approche de ce groupe qui est composé donc de deux femmes et d'un homme. Là, on vous dit que c'est un avertissement parce que lors de cet hiver-là, on vous dit, lors de cette période, de garder la tête froide car il y a une tempête qui arrive. Oui, on l'a vu avec la tour, ici. Il y a bien une tempête qui arrive. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer, de bien vous entourer. Si vous voulez rester dans cet alignement-là, je veux dire, dans ce moment paisible, ce jardin paisible, donc dans la sérénité. Alors vous me direz, hein. Vous me direz. Parce que vous pressentez quelque chose depuis un certain temps déjà. Donc, c'est vrai que c'est une période qui est très tumultueuse et qui est assez intense. Et là, il peut y avoir des tensions et des disputes là qui peuvent éclater. Donc, en ce moment, c'est vraiment pas la période pour faire des gros changements dans votre vie. C'est plutôt la période, et c'est ce que j'avais dit dans la dernière vidéo que j'ai supprimée. On vous disait de calmer le rythme. Parce que vous êtes entre deux rives, je me rappelle, c'était un pont entre deux rives, donc vous êtes vraiment dans une période de répit, hein, je dirais plutôt de réflexion pour vous concentrer sur vos priorités. Mais cette période, elle sera de courte durée, hein. Parce que vous trouverez du soutien, ben voilà, je l'ai dit, hein. Je l'ai dit que vous trouverez du soutien, parce que déjà vous avez vos guides, on l'a vu, hein. Vous avez votre guidance ici, vous avez votre guidance intérieure, donc déjà vous avez des messages subtils de l'univers, que ce soit sous forme de signes, sous forme de synchronicité. Donc il y a de l'aide, de l'assistance, mais il peut y avoir quand même du trouble et de l'agitation, hein, voilà. Et où il y a du soutien, il y a beaucoup de soutien, et surtout ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Comme on disait, quand il n'y a pas de solution, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution à trouver. Et quand il y a des problèmes, il y a des solutions
Donc, s'il y a des solutions, c'est qu'il n'y a plus de problème. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Je reviens pour d'autres guidances. Ciao, ciao.